Solidarité oblige dans la lutte contre le coronavirus. La ministre des Affaires étrangères a reçu, au nom du gouvernement, un don des produits pharmaceutiques pour appuyer le pays dans la lutte contre le coronavirus. La cérémonie de remise de ces produits a eu lieu ce lundi entre Marine Toumba Nzeza et l'ambassadeur de l'Inde en République démocratique du Congo. Un lot des produits pharmaceutiques du gouvernement indien au gouvernement congolais, l'ambassadeur indien a personnellement remis cet assistant de son pays à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Nzeza. Le pays de Gandhi affirme que ce geste s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux États, mais surtout la solidarité entre nations pour stopper la propagation du coronavirus. Ensemble, comme j'ai dit, ensemble, on doit lutter contre ce virus. Ce n'est pas très évident. Et aussi, ce sont des médicaments qui ne sont pas disponibles, comment dirais-je, partout. Alors, comme on est fabricant de ce médicament, on a pensé partager avec certains pays amis. Et c'est ça que je suis venue remettre à Madame la ministre. Marie Toumba Nzeza, qui a réceptionné ce don au nom du gouvernement congolais, a remercié l'Inde pour son appui à la République démocratique du Congo en cette période cruciale.